Les gars, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous savez ce que c'est ça? Merde, le câble! Ceci est une carte graphique RTX 4090. Et voici le prix qu'elle coûte. Est-ce que c'est bon pour vous? Les gars, ça coûte 2000 balles. Même, j'ai dû changer des trucs dans mon setup, donc plus que 2000 balles. Ça coûte 2000 balles. Et aujourd'hui, le but, c'est de la faire exploser. Oui, oui, vous avez bien entendu. Exploser, explosion partout. Pow, pow, pow. Je veux que cette carte graphique brûle. Alors attends, non, non, peut-être pas non plus, parce que j'ai payé 2000 balles, donc du coup, ça coûte cher. Hein. Seulement et uniquement les personnes qui veulent une 4090 ont le droit de s'abonner à la chaîne YouTube et de mettre un pouce bleu à cette vidéo. Ceci est la liste des dernières personnes qui se sont abonnés à la chaîne. Je sais pas si vous en rendez compte, mais regardez-moi cette dinguerie. Regardez comment ça brille. Le soleil reflète, c'est magnifique. On va d'abord en premier temps regarder les endroits les plus beaux de la carte avec les graphismes à fond. Vous allez voir, ça va être magnifique. Et en suivant, on va devoir aller faire exploser la carte graphique. Et vous allez me dire, comment est-ce que tu vas faire, Brice, pour exploser ta carte graphique? C'est très simple. On va faire la plus grosse explosion de Fortnite au monde. Alors pour commencer, le biome où on peut observer le plus les fonctionnalités du RTX et des nouveaux graphismes de Fortnite, c'est dans le biome neige. Hein, c'est un truc de dingue. Parce que regardez, déjà, juste on va dans cette maison en bois et regardez à l'intérieur comment c'est beau. Ah oui, je vous ai pas dit, vous pouvez mettre cette vidéo en 1440p les gars, n'hésitez pas hein. Je sais pas si vous voyez la qualité du bois. C'est un truc de zinzin. Ça c'est pour les chalets qu'il y a à l'intérieur. Même les reflets, je sais pas si vous voyez les reflets. Tout ce qui sort du coffre. C'est magnifique frère, waouh. Mais ce qui est encore plus joli, c'est la glace. Là, là les gars, là. Là je vais péter un câble, c'est fou. Et dites-vous, mon jeu il tourne à 180 fps. Regardez la glace, les reflets. Je sais pas si vous voyez, si ça se voit vraiment, mais c'est un truc de dingue. Genre vraiment c'est magnifique. Quand tu conduis une voiture, t'as les reflets, tout est beau. Hop, oh, c'est trop beau, j'ai envie de chialer. Et là la neige, toutes les particules de neige qui tombent, c'est magnifique. D'ailleurs parlons-en aussi, l'eau n'a jamais été aussi jolie sur le jeu depuis l'existence de Fortnite. Là mec, t'as une eau qui est genre la qualité de l'eau qu'on a sur un jeu qui de base est un jeu style cartoon. C'est un truc de dingue qu'on ait un jeu qui soit aussi magnifique et qu'on ait des paysages comme ça sur le jeu. C'est dingue. Si on va dans la petite maisonnette, on va peut-être avoir des jeux de lumière. Ça, ça serait magnifique. Mais regardez le reflet du soleil sur le sol. Enfin, même le sol est magnifique mec. Genre le sol est beau. J'en suis arrivé à là, dire que le sol est magnifique. Les amis, l'heure est venue de tout faire exploser. On va tout faire péter, la carte graphique, elle va brûler frérot. Ce qu'on va faire en même temps, c'est qu'on va créer une nouvelle île. On va quand même la créer sur l'île côtière, comme ça sera magnifique. Et on va l'appeler... Ça va péter. Ça va péter. Péter. Hop, là je pense que c'est assez grand comme titre, honnêtement, hein, on est pas mal, je trouve. Et désormais, on attend que la petite carte se charge. Mec, même le paysage ici, je sais pas si vous en rendez compte, la dinguerie, mec, regardez-moi ça. Les reflets du truc, c'est trop beau. Et on va rentrer dans ça va péter, les gars, let's go. Là, on est désormais sur une petite île magnifique, bordée d'eau au niveau de l'océan, mama. Et déjà, en premier temps, on va mettre l'heure bien plus loin. On va la mettre à midi, voilà, comme ça on aura des beaux reflets. Vous êtes pas censé savoir que sur le nouveau chapitre, on a une nouvelle animation de feu. Le feu désormais brûle. Hein, c'est vraiment du feu hyper réaliste. Et en faisant tout péter, tout exploser, ça va être magnifique. On va faire un truc, waouh. Désormais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser plein de petites maisons comme ça. Vous voyez, ça, c'est les petites maisons de prairie. Voilà, donc ça, ça va bien exploser partout. Parce qu'aussi, maintenant, quand il y a des explosions, il y a des bouts de maisons qui s'envolent aussi en même temps. Et là, on a déjà pas mal de belles maisons. Mais là, c'est un dixième de ce qu'on va faire, les gars. Parce que je vais aussi prendre des maisons énormes comme ça. Et ça aussi, on va en mettre plein des maisons comme ça jusqu'à ce que la mémoire consommée soit max. Merde, je suis rentré dans la maison. Les gars, regardez-moi le village qu'on a. C'est pas un village là, c'est une métropole carrément. Alors là, on a tout ce qui est bâtiment qui est posé. On va s'arrêter là, ça va largement suffire, croyez-moi. Ensuite, ce qui est intéressant à faire, c'est qu'on va aller dans le mode créatif. On va aller dans les appareils et là, on a ce qu'on appelle des appareils explosifs. Et ça les gars, on va pouvoir se faire vraiment, je pense, vraiment beaucoup plaisir. Regardez par exemple, j'en pose un juste là, ok, j'en pose un là. Je vais le changer et... le configurer, exploser si reçu au canal numéro 1. Je fais OK. Ensuite, je prends ça, je fais ça. Et je peux le dupliquer et ce sera la même configuration tout le long du coup. Je peux en dupliquer autant que je veux. Et avec un simple clic gauche, je vais tout faire exploser les gars. Je pense qu'on peut se faire encore un petit accéléré le temps que je mette le temps de tout mettre. Regardez, j'en mets autant que je veux. Trop de receveurs. Oh merde. Je suis à la limite déjà. Oh, alors là, mec.
Attendez, je suis à la limite. Mais c'est pas grave. On va créer un deuxième canal. Canal 2. Magnifique. Les gars, je crois que j'ai fait bugger. Je peux plus en mettre. Je crois que j'ai fait bugger le truc. Je peux plus en mettre du tout, les gars, je crois. Je crois que j'ai fait de la merde, les gars. Fuck, je crois que je ne peux plus en mettre. Regardez, impossible de placer ici, ça met. Je crois qu'on a atteint la limite, les gars. Ça veut dire qu'on va faire une big explosion de fou, les gars. Est-ce que vous êtes prêts? Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire, c'est-à-dire placer un petit récepteur comme ceci de gestionnaire de télécommande. Maintenant, on va mettre à l'utilisation du tiers principal, transmettre sur canal numéro 1. On fait OK. On va sélectionner notre petite télécommande juste ici. On va la drop. Ça l'a bien sélectionné. Désormais, on va reprendre une télécommande. On a la télécommande en main. Et au simple clic gauche de ma souris, il y a tout qui explose. Est-ce que c'est bon pour vous? Petite carte graphique, est-ce que tu es prête? J'espère que oui. Car tu vas souffrir. Faisons un petit check avant de la température de la carte graphique. Elle est actuellement, on va regarder, à 50 degrés. Elle est montée très haut pendant un moment, je sais pas pourquoi. Mais là, actuellement, elle est à 50 degrés. Elle est utilisée à 48%, 50% à peu près. Est-ce que vous êtes prêts, les amis? Attention. 3, 2, 1... What? What? Regarde comment ça... Wow, les particules de partout. Oh, ça explose là-bas aussi. Oh my god. What? Wow, c'est en train de péter encore. Attends, attends, il y a tout qui est en train d'exploser. Regarde les particules. Comment ça a explosé juste là? Encore, encore, encore. Ok, là, ce qui va se passer, les gars, ça va être le boss final des explosions, d'accord? Là, vous voyez, il y a les mêmes explosifs qu'avant, sauf qu'en plus de ça, il y a une manette pour ajouter du feu partout, mec. 3, 2, 1... Je rajoute le feu, j'ai mis le feu en même temps. Oh non, ça va marcher le feu, ça va marcher. Oh my god, mes FPS, 30 FPS. What? Ok, je crois que j'ai corrigé le feu. Oh my god. Oh my god. Oh. What? Ça bug, attends, attends. Oh, le jeu est rollback. Oh, j'ai fait crasher le serveur. Oh, regardez, le 400 ping, ça me met. What? Ça veut pas exploser. Attends, oh, je freeze. Mec, j'ai cassé les serveurs. 600 MS, 600 ping, gros. 700, j'ai cassé les serveurs. Mais par contre, regardez-moi la beauté du feu. What? Et du coup, il y a rien qui a explosé, du coup. Ça bug trop. Je peux rien faire, les gars. J'aimerais faire quelque chose, mais je rollback. Je pense que ça va arriver d'un coup. Hein. Regardez, ça commence à péter là. Ça commence à péter ici. Ça commence à péter de partout avec le feu. Oh my god. Oh, regarde la maison là, comment elle se casse, elle brûle en même temps. What? C'est trop beau, 60 FPS. Ça y est, ça commence à le faire petit à petit. Les gars, dites-vous, j'ai... Oh my god. Oh ça y est. Oh ça y est, ça le fait. Oh, what? Regardez-moi ça. Si je vais à l'intérieur. Regardez, le sol, il est brûlé carrément. Vous avez pu voir qu'avec le feu, mec, regarde les détails du feu. Regarde comment ça brûle et tout. Ma carte graphique n'a pas brûlé. Et merci, merci, heureusement qu'elle a pas brûlé pour de vrai. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus et de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. C'était Brice. Ciao les potes.